pas trop tôt. Oh, j'ai bien cru qu'il n'arriverait jamais à ouvrir le sas blindé. Un peu de courage. Plus tôt on aura fini et plus tôt on rentrera à la maison. Vous allez quelque part? Désolée, l'ascenseur est en dérangement. Oh non! Allez, rendez-vous! Oh, ça devient lassant. Et puis la prochaine fois, côté costume, faites un petit effort. Je ne m'en rendrai jamais! C'est bien amusé, l'apprenti cambrioleur. À présent, il va nous suivre. Franchement, ces missions, ça devient d'une routine. Tiède après le marathon de New York. Ah, l'horreur! Qui a joué au petit chimiste avec mon dentifrice? Qui a osé toucher à mon jus d'orange? J'ai besoin de vitamines le matin. Bon, tu me regardes pas comme ça. Quelqu'un a échangé mon dentifrice à la menthe avec cette pâte orange carrément dégoûtante. Petite explication. J'ai absolument tout remplacé dans cette maison par des produits à base de carottes. Tu peux répéter? C'est tout nouveau, ça s'appelle le régime lapin. Le régime lapin? Ça veut dire que tu vas rien manger d'autre que des carottes? Si c'était que ça, mais elle veut aussi nous y mettre de force à son régime carotte. Le tout Hollywood ne jure plus que par ça. Le saviez-vous, une seule carotte procure assez d'énergie pour parcourir jusqu'à 2 km. Non, faites-moi confiance, la carotte c'est le légume tendance. D'ailleurs même les stars en croquent. N'insiste pas Alex, tant qu'à croquer quelque chose, je préfère de loin croquer la vie. Mais les carottes c'est vraiment fabuleux. Ça améliore la vue, ça fait sauter plus loin et plus haut et ça élimine même les pellicules. Alex, comment te le dire sans te vexer? C'est non. On sait que c'est excellent pour la santé, mais de là à ne manger que ça, j'ai quand même l'impression que c'est un peu excessif. Trop fort la carotte, je sens même pas le froid. Hé les copines, je vous ai dit que les carottes contenaient naturellement un agent anti-gel. Oui maman, j'irai me chercher à l'aéroport. Oh non maman, il est absolument inutile d'apporter vos propres têtes d'oreiller. Oui maman, je ferai en sorte d'arriver à l'heure. Hein? Non maman, ça ne me dérange pas un instant. Au revoir maman, à bientôt. Non mais faut le dire, si on dérange, je veux dire au secours, j'ai ici. Désolée mesdemoiselles, c'est peut-être une coïncidence, mais maman vient me rendre visite la semaine prochaine et tout va déjà de travers. À commencer par la climatisation. Ça me gêne vraiment pas. Ah, ça va déjà mieux. Bon alors, on peut connaître la raison de notre visite à une heure si matinale? Si je vous ai fait venir, c'est pour vous annoncer une grande nouvelle. Vous allez bénéficier d'une promotion. Une promotion? Pourquoi? Où est le piège? Nulle part, le moment est venu pour vous de tourner le dos à vos jeunes années de formation et d'intégrer les rangs des espions d'élite de notre agence. Ce qui signifie pour vous toujours plus de dangers, de responsabilités et de missions. Avouez que c'est excitant. C'est drôle parce que quand j'entends plus de dangers, plus de responsabilités, plus de missions, je vois pas ce qui est excitant. Je comprends parfaitement vos réserves, mais je vous assure que c'est une occasion unique, exceptionnelle. Rares sont les agents qui atteignent un tel niveau. Moi je dis que Jerry a raison, ça promet d'être passionnant. Non, ça promet seulement d'être fatigant et déprimant. Grâce à mon régime lapin, je suis au total top de ma forme professionnelle. Qui ne connaît pas le régime lapin? Ne la brochez pas sur le sujet, c'est la migraine assurée. Vous saviez que les carottes étaient bourrées de vitamine A et de bêta-carotène, évidemment? Ah non, mais arrêtez-la, si ça continue, elle va nous dire que ça rend aimable. Même pas une demi-carotte! Votre taux de carotonique est dangereusement bas, il faut réagir. Tenez, ça devrait vous remonter. Mademoiselle, je ne vous retiens pas plus longtemps. Bonne chance. Oh là là, on se croirait dans un reality show, sauf que là, tout est réel. Oh, une piscine géante couleur lagon et à côté un bassin chauffé. En me forçant un peu, je crois que je vais arriver à m'adapter. Bienvenue à vous, mesdemoiselles. Je m'appelle Terence et je serai votre hôte pour toute la durée du séjour. Ravi de faire votre connaissance. Si vous me permettez, je vais vous accompagner jusqu'à vos appartements. Courtoisie, luxe et élégance, on reconnaît enfin mes véritables valeurs. J'espère que j'ai apporté assez de carottes. Choisissez une porte, n'importe laquelle. Toutes mènent à des suites privées qui, j'espère, conviendront à vos goûts. Un instant, je compte 4 appartements alors qu'en fait, nous ne sommes que 3. Mesdemoiselles, laissez-moi vous présenter Dean, un de vos partenaires espions. Il se joindra à vous lors de vos séances d'entraînement. Vous permettez, Terry? Salut, je m'appelle Clover. Mais si tu préfères, tu peux m'appeler Beauté Fatale.
Mademoiselle. Oh, il est trop beau pour être vrai, cet accent. Moi, des formations comme ça, je peux bien en faire à longueur d'année. Et ce n'est qu'un début, mademoiselle. Et ce n'est pas n'importe quel dîner. Une tenue de soirée est demandée. Ah, une seconde, je peux pas y aller. J'ai pas apporté ma robe séduction du soir. Fantastique! Choisissez tout ce qu'il vous plaira et appuyez sur la touche 3 pour faire venir un tailleur. Cette fois, c'est décidé. Jamais je ne partirai d'ici. Oh, je vous attends en bas à 20h précises. Et ne soyez pas en retard. Vos instructeurs seront là. On sera pas en retard. Des 3 dizaines d'essayages et on sera... Personnellement, j'ai vraiment hâte de commencer notre formation de super espionne. J'ai du mal à comprendre. Je croyais qu'on devait rencontrer nos instructeurs. En effet, asseyez-vous, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il y a sous ces cloches? Je parie que c'est un de ces plats très raffinés avec un nom compliqué, super sophistiqué. Bah, je vois pas ce qu'on attend. On a qu'à les soulever, on verra ce que ça cache. Vous nous offrez des bijoux comme cadeau de bienvenue? Oh là là, je rêve, cette soirée déjà merveilleuse promet d'être fantastique. Chers amis, je vous présente vos instructeurs. Oh. N'hésitez pas, appuyez. Messieurs, dames. Je vous salue. Absolument ravi. Bienvenue à vous tous. Pendant toute votre formation, ces hologrammes seront vos guides et vos conseillers. Vos médaillons les feront apparaître si nécessaire. Oh, je crois que j'ai compris. Ces hologrammes sont des projections de nos vraies personnalités. Et moi, je pense que Keto a absolument raison, Clover. Comment on doit interpréter ça? Maintenant que nous avons fait les présentations, votre formation va commencer immédiatement. Et les petits plats raffinés avec des noms sophistiqués et ma robe séduction du soir. Concentrez-vous. Oubliez vos petits soucis. À partir de maintenant, considérez-vous en formation. Bah quoi, c'est ça le centre d'entraînement top secret du Whoop? Ah, franchement, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus... High-tech, j'adore. Bienvenue dans la salle d'entraînement. Vous êtes réunis ici tous les quatre parce que vous êtes les élus. Nous les élus. Désolée, on croyait que c'était pour rire. Tout ceci est très sérieux. Si vous êtes devenus des espionnes, ce n'est pas par hasard. Waouh, est-ce que c'est vraiment moi ça? Eh oui, on vous surveille depuis votre naissance. Sam, t'étais trop mignonne ici à droite. Votre habileté à manipuler des gadgets et à résoudre des problèmes se sont en effet manifestées dès votre plus jeune âge. Déjà petite, j'avais un faible pour les garçons. Ce qui est remarquable, c'est ce don à développer le sens de l'observation et à maîtriser un matériel très élaboré. À propos d'observation, comment les agents du Whoop s'y prenaient pour m'espionner? Y a pas à dire, le camouflage, c'est tout un art. Dites-moi, vous aussi, vous étiez en avance sur votre temps. Très joli, le costume. Bravo, petit gars, joli but! Tu pourrais presque battre un lièvre à la course! Oui. Bien sûr, voilà d'où je tiens, ce goût immodéré pour les carottes! Vos prouesses athlétiques ainsi que votre sens inné du déguisement nous ont fait forte impression. Et Dean, alors? Dean était le plus précoce d'entre vous. On l'a sélectionné le jour de sa naissance. Sa réactivité et son aptitude au combat étaient les signes évidents d'un grand potentiel. Oh. Un champion des arts martiaux déjà au berceau. Oh, je crois que je suis amoureuse. Pousse-toi, tu veux? Je l'ai vu la première. C'est pas vrai. On l'a vu toutes les trois en même temps. Mesdemoiselles, je vous en prie, arrêtez de vous disputer. Vous êtes toutes les trois charmantes.
Mesdemoiselles, calmez-vous à présent et concentrez-vous au maximum. Démarrage du simulateur Super Spy. Que la séance d'entraînement virtuel commence. J'ai raté un triple salto arrière en gym. Depuis, j'ai le vertige. Alors, relax, Clover. Nous sommes les élus alors. Tout devrait se passer sans aucun problème. Votre première mission, traverser ce canyon sans tomber dans le vide. C'est pas vrai. Merci pour l'info, mais on avait deviné. Bon, qui veut y aller en premier? Avec mes super pouvoirs de lapin, ça devrait être un jeu d'enfant, même pas précoce. No problemo. Ben, généralement, quand tu dis no problemo, il y a toujours des problemo. Total tranquille, il n'y a pas de quoi avoir peur, c'est trop facile. En fait, le secret, c'est de pas regarder en bas. Alex! C'est bon, je te tiens. Courage, Alex. Comment il faut s'y prendre pour traverser ce canyon? Règle du super espion numéro 1. Savoir évaluer le facteur peur et ensuite parvenir à le maîtriser. Attendez, je crois que j'ai compris. Tu pourrais m'expliquer? Mais oui, il s'agit du contrôle de l'esprit sur la matière. En fait, tout ce qu'il y a à faire, c'est fermer les yeux et se persuader qu'il n'y a même pas de précipice. Excellent contrôle mental, bravo les super espions! Quelqu'un sait où on est? Non, et j'ignore également pourquoi nous a bandé les yeux. C'est peut-être un jeu amusant. On doit trouver un truc et on nous dit si on brûle ou si on froidit. Ça m'étonnerait. À vrai dire, j'ai même l'intime conviction que ce qui nous attend ne va pas du tout être amusant. Qu'est-ce qu'on attend de nous exactement? Je veux dire, à part se faire taper dessus. Règle du super espion numéro 2, vous devez faire confiance à votre intuition. Et là, mon intuition me dit de... me baisser. Mais oui, évidemment! On n'a pas besoin de voir! Notre instinct nous suffit! Et il nous a jamais trahis! C'est bien beau tout ça, mais le combat n'est pas très régulier! Vous avez vraiment de la chance que je porte ces trucs sur les yeux, hein? Autrement, je vous aurais ratatiné avec mon taux de bêta-carotène! Clover, sur ta droite! Je croyais que c'était seulement un entraînement! Excellent travail! Votre dernière mission, traverser la rivière pour rallier l'autre berge. Et ben voilà, si vous suiviez le régime lapin comme moi, on l'aurait traversé d'un seul bond. Vous devez obligatoirement utiliser le canot. Et en plus, il faudra respecter quelques règles. Oh, ça recommence. 1. Dean doit toujours être dans le bateau. 2. Une fois Dean assis, il ne reste qu'une seule place à bord. 3. Clover et Alex n'ont pas le droit de rester seuls ensemble. 4. La règle numéro 3 s'applique également à Sam et Alex. Est-ce que c'est clair? Oui, enfin, ce qui est clair, c'est que dans le genre, on fait pas plus compliqué comme règle. Vous disposez de 3 minutes. Ok, attends. J'ai une idée. Je traverse avec Clover, je reviens chercher Alex et ensuite pareil pour Sam. Mais Alex et moi, on se retrouverait seuls toutes les deux pendant ton aller-retour. Et je me retrouverai seule avec Clover quand j'irai chercher Sam. Ça y est, j'ai trouvé. D'abord, Dean traverse avec Alex et la dépose. Il revient me chercher, il me dépose de l'autre côté mais revient avec Alex à bord. Ensuite, il laisse Alex ici et fait traverser Sam. Et pour finir, il revient chercher Alex. Il suffit juste d'un peu de coordination. Clover, t'es géniale. À force de donner rendez-vous à plusieurs garçons le même jour à la même heure, j'ai appris à gérer les pires situations. Allez, mademoiselle, un peu de courage, on va réussir. À tout de suite. Cette épreuve met fin à votre journée d'entraînement. Toutes mes félicitations. Oh, je suis complètement épuisée, j'ai mal partout. J'ai l'impression d'être passée dans un mixeur à légumes. Les élus doivent travailler plus que les autres. On se reposera plus tard. Peut-être, mais j'aime autant vous dire que si le room service n'est pas à la hauteur, ils vont m'entendre. Moi, je vais commander un cake à la carotte. Oh, qu'est-ce qui se passe? Un tremblement de terre! Tous aux abris!
Californie, mais celui-là est particulièrement long. Allons voir ce qui se passe. Si ça continue, le centre tout entier va s'écrouler. Ça va mieux. Enfin, je m'entends réfléchir. T'as parlé trop vite, Alex. Tu peux arrêter de réfléchir. L'horreur, les murs se resserrent sur nous. Pas de panique, mademoiselle. Ça fait sûrement mon parti dans l'entraînement. Sauf que nos instructeurs virtuels ne répondent plus. Pas de panique. Sortons. Non. Toutes les issues sont condamnées. On est prises au piège. Oh, j'aime pas ça. On va se faire aplatir. On va essayer de bloquer les murs avec cette tringle à rideau. Plus haut, Dean, j'y suis presque. Ça va, Dean, rien de cassé. Aïe. Merci, Alex, de t'inquiéter pour moi. À trois, on bloque. 1, 2, 3. Ça n'a pas été facile. Règle numéro 1, les Spies, évaluer le facteur peur pour mieux le maîtriser. Là-haut, une verrière. On peut peut-être s'échapper par là. Il est à plus de 10 mètres de haut. Si seulement on avait les gadgets de Jerry, je sais pas moi, un combiné tuyau d'arrosage, une échelle télescopique. On va essayer de percer la conduite d'eau. L'eau va inonder la salle et nous porter jusqu'à la verrière. Laissez-moi m'occuper de ça. L'eau a certainement provoqué un court-circuit. Règle numéro 2. Laissez-vous guider par votre instinct de super-espion et tout ira bien. Je cours, aidez-moi, au secours. Tu te rends compte, ça fait deux fois que tu me sauves la vie, Dean. Tu es mon héros. Je le fais comme mon travail. Non, mais je rêve. Le numéro de la fille en détresse, c'est presque moi qui l'ai inventé. Hé, capitaine, pour info, on risque d'être tous engloutis. C'est trop difficile comme ça. Il nous faut tirer en levier. Règle numéro 3, rien de tel que le travail d'équipe pour accomplir des miracles. Mieux que ça. Si on veut s'en sortir, il faut rassembler nos forces. On n'a qu'à former une chaîne humaine sous l'eau. Ça devrait démultiplier nos forces et faire levier de façon efficace. Je sens que ça bouge. Encore un tout petit effort. Ça y est. Ça, c'est ce qu'on appelle un travail d'équipe. En parlant d'équipe, où est passé Dean? Le pauvre, il est peut-être encore au fond. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour le sauver? Je rêve, la salle de réception est redevenue comme avant. J'ignore ce qui se passe et franchement, je n'ai pas envie de rester là pour le découvrir. À 200% d'accord, sortons d'ici tout de suite. Top discrétion. Si on veut retrouver Dean, il faut s'échapper du centre et appeler Jerry. On s'est fait repérer. Courez. Terrence. Alors, mademoiselle, est-ce que tout va bien? Non, on peut pas dire que ça va bien. Où étiez-vous passé? Je me suis couché assez tôt, mais ne trouvant pas le sommeil, je me suis dit qu'une promenade me ferait du bien. C'était une bonne idée. Vous voulez dire que vous n'avez même pas remarqué le séisme qui a fait trembler toute la résidence? Quel séisme? La salle de réception a été inondée, on a failli se noyer. Une inondation vraiment sale. Vous allez aussi nous dire que vous ne savez pas que Dean s'est volatilisé sans laisser de traces. Vous vous êtes promené dans les nuages ou quoi? À l'évidence, vous avez passé une soirée agitée. Mais rassurez-vous, je sais où se trouve votre ami Dean. Voulez-vous que je vous emmène le voir? Dean! Vous voyez? Dean va parfaitement bien. Ou plutôt, rien ne lui arrivera si vous obéissez à mes ordres. Vous lui faites mal. Vous voyez pas qu'il souffre? Ah, voyez-vous, plus vous vous rapprochez de Dean et plus le gel de résine le comprime. C'est toutes ces années à gober les mouches dans les couloirs de ce centre qui vous ont fait pâlir les neurones? Vous n'avez pas la moindre idée de ce que c'est de toujours rester dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Tout petit déjà, c'était élève doué, mais peut mieux faire. Eh bien, je vous annonce que tout ça va changer pour de bon, mes chers Spies. À présent, si vous voulez éviter à votre camarade de promotion de manquer d'air, je vous conseille d'obéir aveuglément à mes ordres. Bon, qu'est-ce que vous voulez exactement? Je suis sincèrement navré d'avoir dû interrompre votre entraînement et d'avoir dû congédier vos instructeurs virtuels. Mais j'ai une mission très spéciale pour vous. Vous allez éliminer Jerry une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que vous croyez? Comme si on pouvait faire du mal à Jerry. Et puis qu'est-ce qu'il vous a fait pour déclencher tant de haine? C'est moi que ça regarde. Vous le découvrirez bien assez tôt.
Une fois que vous l'aurez éliminé, vous récupérez la puce électronique qu'il cache sous une tache de naissance au niveau du cou. Et vous me la rapporterez. Je surveillerai tous vos faits et gestes. Essayez de me jouer un seul tour, et je vous garantis que vous ne reverrez jamais ce charmant Dean vivant. Ne t'inquiète pas, Dean, on te laissera pas tomber, mon héros! Dépêchez-vous, un hélicoptère vous attend. Et surtout, dites bien adieu à Jerry pour moi.